Et qui parle d'alphabet parle déjà d'une étude de grammaire. Et il faut dire que l'histoire de la langue Guro est une longue histoire. Déjà en 1969, Jean-Paul Benoist, qui était prêtre catholique, a déjà écrit une grammaire et un dictionnaire Guro français. En 1970, Joseph Le Saout et Henri-Claude Grégoire aussi ont eu des écrits sur la langue Guro. Et là, leurs écrits, c'était sur le système phonologique. Donc, je vais expliquer ça tout à l'heure. Le système phonologique de la langue Guro. Et dans les temps récents, il y a Valentin Vidrine, qui est un linguiste russe, qui est aussi venu, qui a aussi écrit sur l'orthographe, la réforme de l'orthographe. Et il a fait même une présentation à Lila par rapport à ça. Suite à toutes ces études, je suis venu pour compléter un peu ce qu'ils ont fait. Parce que toutes ces personnes-là, ils ont une compétence linguistique, mais ils ne sont pas locuteurs de la langue. Et en 2007, j'ai eu la grâce d'aller à Abidjan pour suivre une formation en traduction biblique. Et la formation en traduction biblique nous donne une large ouverture sur toutes ces études de linguistique. Et suite à ces études-là, nous avons fait une réinterprétation du système phonologique pour aboutir à la proposition d'une orthographe de la langue. Et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Il faut dire que l'alphabet que je vais vous présenter est adopté suite à des études minutieuses de la langue. Et dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle la constitution d'un corpus de 1000 mots. Pour pouvoir trouver l'alphabet, on ne se lève pas comme ça pour dire, bon, voici en gros, il y a bon, oui, il y a bon, il y a A, oui, il y a A. Ce n'est pas comme ça. C'est tout un processus. Il faut d'abord constituer un corpus de 1000 mots minimum. Trouver 1000 mots dans la langue. Et c'est en fonction de ça que le travail peut se faire. Et après avoir trouvé les mots, il faut faire une étude de la structure syllabique. Donc il faut voir les syllabes et comment sont constituées les syllabes dans la langue. Après ça, il y a ce qu'on appelle la phonématique qu'il faut faire. Ça aussi, la phonématique aussi, c'est une étude. C'est après toutes ces études-là maintenant qu'on fait ressortir l'alphabet de la langue. Et ce sont ces études-là que nous avons faites. Nous avons fait, donc j'ai fait les études de 2007 jusqu'en 2011. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu une maîtrise en traduction biblique. Donc, je vais rapidement vous présenter quelques éléments. Le corpus, c'est un ensemble de mots choisis pour l'étude linguistique de la langue Guro. Bon, au moment où nous avons fait ça, partout, dans tous les documents que nous avons utilisés pendant les études, on parle de la langue Guro. Donc ne soyez pas. Quoi dis-tu, Banquini? D'accord.
Donc, et ces mots comprennent des noms, des verbes, des adjectifs, des pronoms. Il faut rechercher tout ça dans la langue jusqu'à atteindre 1000 mots. Et c'est ce que nous avons fait. Quand nous avons trouvé ce corpus, on a fait la structure syllabique. La structure syllabique, d'abord, la syllabe, c'est une unité qu'on appelle une unité phonétique. Quand on parle de phonétique, on parle de son. Le son est différent du ton qu'on utilise dans les langues. Mais ici, c'est une unité phonétique qui regroupe des consonnes et des voyelles. Et l'assemblage des consonnes et des voyelles se prononce d'une seule émission de voix. Donc, quand je dis par exemple la, là, ça c'est un son, mais ce son-là est constitué de consonnes et de voyelles. Mais l'assemblage de ces consonnes et de ces voyelles, je les émets en une seule voix. Là. Et voici quelques exemples de structures syllabiques de la langue bro. Quand on prend par exemple le mot lait, le premier mot qui est lait. L'i est composé d'une consonne et d'une voyelle. C'est tout. Et quand on prend le mot cri, une consonne, une voyelle, une consonne et une voyelle. Quand on prend le mot lot, consonne, voyelle, voyelle. Quand on prend le mot nez, consonne, voyelle. Et quand on suit tous ces exemples, nous nous rendons compte tout de suite que tous les mots dans la langue gro commencent par une consonne. En gro, il n'y a pas un mot qui commence par une voyelle. Quand on dit par exemple le nom André en gro, les gros disent quoi? Dré. Quand on dit Albertine, les gros disent quoi? Bertine. Donc, en gro, il n'y a pas de mot qui commence par une voyelle. Vous allez tourner, vous n'allez pas trouver ça. Mais il y a une exception. L'exception, c'est ce qu'on appelle les pronoms possessifs. En les sort. Là, ça commence par une voyelle. Ça, c'est les exceptions. Et c'est seulement trois mots qui sont comme ça. En les, il est, c'est tout dans la langue. Sinon, aucun nom en gros ne commence par une voyelle. Après l'étude du corpus des 1000 mots, voici ce que nous avons trouvé. Donc là maintenant, on sait que nous sommes dans une langue qu'on appelle la langue consonantique. Une langue qui joue beaucoup avec les consonnes. Donc cette étude de la structure syllabique démontre déjà que dans la langue koiné, tous les mots commencent par une consonne et se terminent aussi par une voyelle. Il n'y a pas aussi un mot en langue koiné qui se termine par une consonne. Là, vous n'allez même pas trouver. À moins que vous avez des exemples, comme je continue toujours mes recherches, si vous avez des exemples, sinon il n'y en a pas. La langue koiné commence par une consonne et se termine par une voyelle. Les mots sont toujours comme ça. Et après la structure syllabique, il y a la phonématique. On a vu maintenant la constitution des mots de la langue koiné. Maintenant, on étudie la phonématique, c'est-à-dire le son de ces langues-là à partir des mots que nous avons étudiés. Donc, pour les maîtriser, on met les mots soit en position initiale, en position médiane ou en position finale. Donc, quand on prend une lettre en linguistique, c'est la seule lettre-là constitue un son. Et ce son-là, il faut le mettre en position initiale pour voir réellement le son que ça donne. Est-ce que la lettre donne le même son quand il est en position initiale ou en position médiane ou en position finale. Donc, et quand on fait cette étude,
Voici, on prend par exemple la lettre PO. PO en position initiale. PA, c'est le même son. En position initiale, dans un autre mot, PADU, c'est le même son. Et quand on le met en position médiale, JEPA, c'est le même son. Quand on le met aussi dans un autre mot en position médiane, SAPA, c'est le même son. Donc déjà, on se dit que le son PO existe en boulot. Et là maintenant, PO va faire partie de l'alphabet de la langue. C'est comme ça on fait le calcul. Comme les mathématiques se font, les démonstrations mathématiques se font, en linguistique, c'est aussi cette démonstration qui se fait. Et vous voyez en position finale, vous n'allez pas trouver de consonne en position finale. Et lorsqu'on prend l'exemple aussi d'une voyelle, on prend la voyelle A, aller en position initiale. Comme je vous disais, c'est les trois là, c'est les trois mots où il y a une voyelle en position initiale. Aller, enler, en. Donc ici, aller et enler, ça ce sont les pronoms qu'on appelle les pronoms aliénables. C'est-à-dire, quand ça fait partie des objets, quand ça s'attribue aux objets, mon pagne, en laissant. Mais quand on dit mon père, on dit anti, on ne dit pas en laiti. Donc, anti, ça, c'est le pronom inaliénable. Ce sont des choses innées. Mon bras, en paix, mais on ne dit jamais en l'épée. On dit en laissant, en laissant. Mais on ne dit jamais en les bains, on ne dit jamais en les roues. Bon, dans une autre émission, quand nous allons parler des pronoms en langue Kweli, nous allons parler des pronoms aliénables, des pronoms inaliénables, ainsi de suite. Donc, en position médiane aussi, bien, ben, en position finale, là. Donc, tout de suite, on se dit, ah, il y a un son A en langue. Il faut que ce A-là fasse partie de l'alphabet. C'est comme ça. Donc, c'est cette démonstration-là qui se fait. Et c'est après la phonématique, maintenant, qu'on ressort maintenant l'alphabet de la langue. Et en langue Kweli, avec nos recherches, nous avons fait ressortir 20 consonnes dans la langue, 9 voyelles et 5 voyelles nasales. Donc, il y a la consonne PO, il y a BO, il y a MO, il y a MO, FO, VO, TO, TO, SO, ZO, NO, LO, RO, CHO, JO, NYO, YO, KO, GO, WO. Donc, voici les 20 consonnes de la langue Kweli. Les 9 voyelles, I, I, E, E, A, U, O, O, O. Et voici les voyelles nasales. I, E, A, U, O. Donc, voici avec les recherches ce que nous avons trouvé comme alphabet de la langue. 20 consonnes, 9 voyelles et 5 voyelles nasales. Et c'est avec toutes ces lettres-là, tous ces sons que se construisent tous les mots de la langue Bourou. Et j'ai précisé que le système d'écriture utilisé ici est l'orthographe standard. Contrairement à l'orthographe qui est dans la Bible Bourou actuelle, qu'on appelle l'orthographe contextuel. Les missionnaires voulaient que ceux qui se convertissent lisent rapidement la Bible et que leurs enfants qui sont à l'école les aident à la lecture. Donc, ils ont contextualisé l'orthographe en ajoutant quelques lettres en français dans l'orthographe pour faciliter la lecture par leurs enfants. Donc, voici un peu ce que je peux vous présenter. Et il fallait que je passe par ce contexte-là pour qu'on comprenne que l'alphabet qui est choisi
c'est suite à une étude. Donc, pour le moment, voici l'alphabet que nous avons en langue Kwini. Donc, pour ceux qui veulent écrire, il y a un logiciel qui est gratuit. La CIL donne ce logiciel-là gratuitement, qui est le KIM. KYMAN. Donc, c'est un logiciel de la CIL. Vous téléchargez ça et puis vous installez ça sur votre ordinateur. Et il y a aussi les polices. Les polices, il y a la police que nous utilisons, que j'ai utilisée ici, c'est la police CARIS CIL. CARIS comme CHARIS. Donc, ce sont des polices aussi qui se téléchargent sur le site de la CIL. Vous allez sur www.cil.org et arrivez, vous allez voir les logiciels de langue, les polices de langue. Et une fois que vous les installez, vous allez aussi voir le clavier. Quand on parle de clavier, en fait, c'est une combinaison de touches qu'on fait pour avoir ça. Le I, c'est une combinaison du point virgule et du I. Le E, c'est une combinaison du point virgule et du E. Le O, c'est une combinaison du point virgule et du U. Mais lorsque le logiciel est installé avec les polices, ça passe. Sans aucun problème. Je vais vous présenter. Voici par exemple le tableau des consonnes. Bon, c'est pas aussi grand, mais comme ça, c'est un Word. Le tableau des consonnes. Voici un exemple ici. Nous avons po, bo, et nous avons ce son-là. Bo. Ici, ça, c'est l'écriture phonétique. Okay. Voilà. L'écriture phonétique. Maintenant, dans l'orthographe, nous avons utilisé le B et le H pour écrire ça. Parce que l'écriture, cette écriture-là est difficile à main levée. Et déjà, les linguistes ont... Il y a une convention où les linguistes ont dit quand c'est une écriture phonétique, cette écriture phonétique-là, voici sa transcription orthographique. Donc, on utilise cette transcription orthographique. Et c'est ce que nous avons fait. Mais quand on regarde aussi les voyelles, bon, même les consonnes, ici, par exemple, cette écriture phonétique-là, ça, c'est le nyon. Mais dans sa transcription orthographique, c'est le NY. Nyon. Donc, dans... Les voyelles, ici l'écriture phonétique et l'écriture orthographique sont les mêmes. Mais quand il s'agit de voyelles longues, voici l'écriture phonétique. Le I et deux points, ça c'est les voyelles longues qu'on retrouve. Par exemple, le E et deux points. C'est une voyelle longue. Quand on dit en gros les, c'est une voyelle longue. Quand c'est une écriture phonétique, on ajoute seulement le L et on écrit le E avec les deux points. Mais dans l'écriture orthographique, on écrit L, E et puis on reprend encore le E. Les. Voici ce qui se passe. Sinon, c'est la phonétique, c'est pratiquement le même système. Maintenant, la nasalisation ici, en écriture phonétique, il y a un signe en dessous de la voyelle. Quand la voyelle est nasalisée, il y a un signe en dessous. Mais dans l'écriture orthographique, on ajoute un N pour la nasalisation. Donc, c'est la précision que je voulais.